je suis partie moins en fait d'un questionnaire qui serait provenu de l'histoire de la religion, des croyances religieuses, de la relation au sacré, plutôt qu'un questionnaire issu en fait de la sociologie pragmatique, qui était qu'est-ce que le fantôme fait faire. Je me suis rendu compte qu'effectivement le fantôme était très actif au XVIe siècle. Il apparaissait dans des contextes très différents, des contextes qui pouvaient être motivés par le sentiment d'une urgence, comme quand j'ai travaillé sur les maisons hantées, ou des contextes plus difficilement repérables, en tout cas qui appartenaient à une anthropologie plus lente, je vais dire, à savoir l'histoire de la constitution de ce qu'on a appelé la famille moderne, patrilinéaire, dans lequel les lignages verticaux s'imposent. On se souvient de ses ancêtres, et parmi ses ancêtres, il y a des fantômes. Et notamment dans l'idéologie aristocratique, se développe l'idée que pour être une grande famille, il faut avoir son fantôme. À partir des années 1570, les tribunaux s'emparent de la question de savoir si on peut quitter une maison qu'on loue avant l'échéance du bail, et ces baux étaient très longs à l'époque moderne, 3 ans, 5 ans. Est-ce qu'on peut quitter une maison qu'on loue avant l'échéance du bail parce qu'elle est hantée ? Et ça, c'était vraiment une question qui apparaissait dictée par l'urgence. Si on le considère du point de vue de l'Église, qui dicte l'orthodoxie du fantôme, une apparition, elle peut venir de trois lieux. Elle peut venir du ciel, apparition mariale, apparition angélique, apparition de saint. Elle peut venir de l'enfer, là, vous n'avez pas de chance, c'est apparition diabolique. Elle peut venir aussi de ce troisième lieu qui s'appelle le purgatoire. Et c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est parce que c'est le revenant, hein, l'âme en peine avec laquelle on a un lien de parenté souvent, qui nous est proche et auquel on doit répondre. Donc il peut faire peur quand il vous surprend, mais de même qu'une apparition angélique peut surprendre, peut faire peur, peut effrayer. Mais toute la question est de savoir... qu'est-ce que vous devez faire face à cette apparition? Est-ce que vous devez dominer votre peur? Ou est-ce que vous avez le droit de vous enfuir et de prendre vos jambes à votre cou?